Rise of the Revolt. Guess what? A new track. Vibrate. Symbol of generations. Troubling for new sounds. Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation vidéo de l'Optoma GT720, un projecteur 720p doté d'une capacité 3D Ready avec une compatibilité DLP Link mais également 3D Vision de Nvidia. Ce projecteur est doté d'une focale courte qui vous permettra, vous pouvez le voir à l'image, avec un recul d'1m50 d'obtenir une image de 2m. Commençons avec notre premier Blu-ray de test, celui de la firme Buroche, avec nos extraits haute définition qui permettent de jauger et de la fluidité de l'image, mais également de la justesse de l'ajustement des gris, du réglage de gamma et également des miens de netteté. Ici une mire générale Buroche, avec un réglage de cropping, mais également des mires de netteté, quelques extraits qui permettent de juger de l'exactitude des couleurs. Ici, ce visage met en évidence la présence ou non de double contour, le double contour signe d'un mauvais réglage de netteté. Le pendulaire, fidèle à Buroche, de manière à mettre en évidence les défauts de fluidité, ce qui est le cas malheureusement avec le GT720. La pointe de l'aiguille est bien déformée. Passons à notre second Blu-ray de test, celui de la firme HQV, avec ces mires qui permettent de mettre en évidence les défauts sur la ligne horizontale, ce qui est le cas avec l'Optoma GT720. Vous pouvez constater au centre que la ligne horizontale se présente des brisures, des cassures, des effets d'escalier. On retrouve également ces cassures sur le violon, sur les cordes du violon de la jeune fille qui est en train de jouer. Alors là, une séquence de test qui permet de jauger la capacité du projecteur à réduire le bruit vidéo. Alors l'Optoma GT720 n'est pas doté de cette option et malheureusement l'image présente un fort bruit qui n'est pas possible d'atténuer. Lester, Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Alors là une séquence 3D Vision. Nous l'avons évoqué au début de ce test. Ce projecteur est doté d'une capacité 3D, soit avec le DLP Link, soit avec le dispositif Nvidia. Et enfin, passons à nos résultats après calibration. Alors, l'échelle de gris est quasiment parfaite avec une température de couleur à 6480 et un delta E limité à 0,6. Pareil pour la courbe de gamma avec un gamma positionné à 2,17, quasiment linéaire de 0 à 100 lire. En revanche, avec le diagramme CU, il est beaucoup trop restreint. Et la luminance, avec nos résultats de luminance, montre un très gros écart sur le bleu. Donc, malgré ces défauts, autant sur le CU que la luminance, on arrive à avoir des teintes chères particulièrement bien équilibrées. L'absence d'éditeur de gamma ne se fait pas trop ressentir. Vous pouvez en juger avec le fond noir de cette photo qui est particulièrement bien restituée. Toujours dans la restitution de l'échelle de gris,
de 0 à 100 IR, toutes les MIR sont présentes à la marque.